les choucroulous, ici Loupina pour l'épisode numéro 2 de Deux joueuses, une partie. On va commencer tout de suite, j'ai très peur de ce qu'a fait Elantia parce qu'apparemment elle m'a réservé une petite surprise. Je ne sais pas ce qu'elle a fait. Elle m'a dit, j'espère que tu m'en voudras pas trop, donc à partir de ce moment, je flippe. Voilà. Allez, ta charge, c'est génial. Les chargements, ça nous rentre... Oh putain. Ok, donc en fait, je vous explique, pour ceux qui viennent de débarquer sur la chaîne, Deux joueurs, une partie, c'est un concept inventé par Yayo Sungard et Jody Dreams, où en fait, ils s'échangent, enfin, on s'échange les sauvegardes, donc je fais ça avec Elantia, on s'échange les sauvegardes et on joue chacune 20 minutes. Donc c'est elle qui a fait le premier épisode, et comme cette gourgandine sait que j'adore le rose... Elle en a foutu partout! Oh, c'est horrible! Oh, la maison des Barbies, quoi! Oh, oh my god, c'est moche! Bah, moi, je prends cette chambre-là. Hein. Oh, mais non! Mais non, mais c'est moche! Et Elantia, qu'est-ce que t'as fait? Oh, la salopiote! La salopiote, oui, c'est un nouveau. Alors, sinon, au niveau relation, ça va, elle a pas fait grand-chose avec sa Sims. Ok, donc c'est Sims, elle ne connaît personne. Est-ce qu'elle nous a mis des métiers ou quelque chose? Non, et moi? Ok, super, donc c'est moi qui rapporte la thune. Trop bien. Donc je dois être amie de tous et elle, elle doit être reine des bêtises. Eh ben, on va la faire bosser, hein. Bon, bah, oh my god, mais c'est moche. Oh. Oh mon dieu, ce que c'est moche. Oh putain, non mais elle s'est lâchée là au niveau du rose, hein. Je crois qu'elle a même mis une lampe rose parce que ça fait une lumière un peu rosée là. Oh, oh bah ceux qui aiment le rose, ils sont servis, hein. Mon dieu, Elantia, qu'as-tu fait? Je vais pas m'en remettre, je crois. Bon, je vais peut-être commencer parce que ça fait déjà 2 minutes que je ne fous rien. Allez, c'est parti. Ok, elles sont en train de danser comme des... danseuse professionnelle. Donc nous avons Kean Poulet et Ginette Latruie. Voilà, c'était super long. Alors, j'ai réservé d'ailleurs une petite surprise à Elantia, donc je vous le dis, parce que je lui dirai qu'on n'est pas censé regarder les épisodes avant d'avoir fait l'autre. Enfin bref, en fait, ma Sims ne peut pas avoir d'enfant, mais elle peut en faire. Elle peut en faire aux autres, je veux dire. Elle peut mettre les Simsettes enceintes. Bref, j'avais envie de faire un truc rigolo, donc j'espère qu'elle le verra. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite attaquer et on va draguer cette morue. donc, on va la draguer. J'espère que je vais pas me prendre un gros râteau. Complimenter son apparence. De toute façon, si je me prends un râteau, j'irai voir ailleurs, hein, c'est pas grave. Non, pas avouer son attirance directe. Attends, la meuf, on vient... Ah, oh, mais on est vachement élevé déjà, hein. Elle a bien augmenté nos relations. Oh my god, mais ce rose. J'ai envie de lui mettre en lampe merci pour le rose. Et on est vachement riche. Comment ça se fait qu'on est vachement riche comme ça? Vous croyez qu'elle a mis un code? Je sais pas du tout ce qu'elle a fait. Vous pouvez arrêter de danser? Tu peux la draguer, s'il te plaît? Mais pourquoi on est riche? Pourquoi est-ce qu'on est riche? Vas-y, arrête de danser, tu me gonfles. Toi aussi, arrête de danser. Voilà, allez, faites-vous des bisous, là. Non, mais... Mais sérieux, pourquoi est-ce qu'on est aussi riche? Oh, j'ai peut-être pas dit qu'il fallait pas faire de code. Je pense pas qu'elle en ait fait. Ah oui, je sais! C'est parce qu'en fait, elle a d'abord mis sa Sims dans la maison. Et ensuite, elle a fait emménager la mienne, donc ça rapportait 20 000 simflouz. Voilà, c'est pour ça. Oh, mais elle lui rentre dedans, là. Hein. Elle lui rentre dans l'art, là. Et l'autre, elle accepte, hein. Bah oui. Donc on va draguer. Alors, Elantia n'a pas tous les kits, donc... j'espère que vous m'entendez, parce que ça a l'air très faible. Ouais. Elantia n'a pas tous les kits, donc quand on va devoir refaire des trucs, ça va être compliqué.
Genre des relooking ou autre. Par contre, ce legging, ce Galaxy, c'est pas possible, quoi. Ouais, j'ai trop envie de la relooker. Juste lui enlever ses chaussettes et puis refaire un peu son maquillage parce que c'est pas possible. Oh, murmurer seulement. Est-ce que vous pouvez aller faire crac-crac? Non, mais on va. Ah, voilà. Premier baiser. Allez, c'est parti. Ouh! Bon, on va dire qu'elles sont copines de baise. C'est un chic. C'est ma copine de baise. Juste vérifier que mon micro marche bien. C'est bon. Normalement, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle va jouer à l'ordinateur alors qu'elle est en train de draguer. Ah bah bravo. Voilà, donc ils peuvent essayer de faire un bébé. Pour le moment, on va juste faire crac-crac. On va quand même voir si elles vont bien. Hein, quand même. Alors, ça sert à rien que je fasse des groupes parce que l'ancienne n'a pas le kit des groupes. Donc, enfin, elle n'a pas la donne vivre ensemble. Donc, en gros, bah, ça fera rien. Bah, ça va, les besoins, s'en est bien occupé. La vache. Oh my god, mais mais c'est pas possible. Oh, mais j'en reviens pas du rose. Quoi? C'est magnifique. Magnifique la tenue de catch pour dormir. C'est splendide. L'ancien du... Moi j'ai fait soft et tout et elle a fait de la merde. J'adore. Ah mon Dieu. Bon, alors moi j'ai pas perdu de temps, hein. Je suis déjà en train de les... Oh, j'ai envie de dire, est-ce qu'on la mettrait pas enceinte? Non mais attendez, mais c'est pas possible cette tenue. Oh mon Dieu! Je sais pas ce qui est le pire entre les chaussons lapin et le masque. En fait, je sais pas, mais le masque de catch, on dirait un truc, un bandage en fait, quand t'as fait de la chirurgie esthétique. Oui, je sais ça, c'est génial, mais je n'ai pas fait de chirurgie, bref, on s'en fout. Et que t'as ce bandage-là autour du visage, enfin, c'est beau. On va dire que c'est pour du roleplay, hein? Hein? Des jeux de rôle sexy. Oh mais j'en peux plus là. Bon, tu vas aller faire pipi, ma cocotte. Voilà, allez, c'est bon, vous avez bien fait crac-crac là. Toi, tu vas trouver un taf parce que t'es une grosse feignasse. Allez, c'est parti. On va la lancer dans la carrière méchante là. La carrière méchante, voilà. Qu'est-ce que c'est? Criminel. Voilà. Donc, il faut que tu fasses des interactions malicieuses. Donc, tu vas sortir dehors en pyjama et tu vas aller faire chier cette personne. C'est Nancy Plenosas. C'est parfait. Alors, vas-y. Oh non, elle s'est changée. Elle était tellement belle en maillot de bain, en sous-vêtements, en pyjama. Je vais y arriver. Toi, il faut que tu fasses à manger. Donc, va cuisiner du sandwich. Et puis, je sais pas, des macaronis. Je crois aussi qu'il y a des plats que l'antienne n'a pas, donc ça va être génial. Elle est où cette conne? Allez, plus vite! Putain, c'est n'importe quoi. Oh my god! Oh my god! Alors, tu vas mentir sur ta carrière. Lancer une rumeur grotesque. Je vais essayer de monter ça aussi. Être peu apprécié de deux Sims. Invité à une fausse soirée, jouer un tour avec la main vibrante, c'est horrible ça. Le truc où tu électrises la personne là, enfin. Il y en a qui trouvent ça drôle, moi je trouve pas ça très drôle. Oh, il y a Dominique! Dominique! Viens ici! Viens ici! Trou du cul! Viens là, salopio! Bon, je pense qu'on l'aura pas, hein. Il est en train de se casser. Rustre! Goujat! Non, il est en train de s'engueuler avec Nina là-bas. Katrina, pardon, je les confonds tout le temps. Allez! Bon, c'est bon? Du coup, elle t'aime pas? Elle t'aime pas ou pas? Prétendre être un génie criminel, non mais rien que ça. Oh, méchant, repoussé. Invité à une fausse soirée. Dominique, viens là qu'on te fasse des cochoncetés là. Enfin, des méchancetés plutôt.
Mais l'autre, elle est encore en train de regarder la télé. Et la bouffe. Ah, elle l'a fait quand même. Ouf. Fais des macaronis ou quelque chose. Des macaronis. Est-ce qu'il faut que tu fasses ça pour ton emploi? On va essayer de bien faire. Oh, ça y est, elle est pas appréciée. Lance une rumeur grotesque. Sois méchant avec eux, là. Dis que sa mère, c'est un lama. Moi, je trouve ça tellement audacieux, quoi. Enfin, pas audacieux, non. J'ai plus le mot. Insultant, dégradant. Wesh, ta mère, le lama, elle crache partout. Oh, on peut se battre avec Nancy. On va lui botter le cul à la Nancy. Critiquer un autre Sims. On va critiquer Nancy sous ses yeux, tu sais. Du coup, être peu apprécié par deux Sims. Donc ça, c'est cool. Oh, elle se bat. Ouh là 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 là. J'espère qu'elle va gagner. J'ai peur. Je pense qu'elle va perdre. Ah, quoique. Je sais pas. Oh, la vieille base son de fille. Oh non, elle lui a foutu une branlée. Morue. Excusez-moi. Bah, bats-toi avec Dominique, peut-être que tu auras plus de chance. Y a Ruru qui passe. Oh my god. Oh, Dominique est très en colère. Il a foutu sa raclée. Cool. Alors, atteindre le niveau 3 de la compétence malice et utiliser l'ordinateur pour commettre un acte malicieux. D'accord. Donc déjà, on continue ça. Je sais pas comment on monte la malice. Enfin, je pense que c'est en faisant des interactions. Ça me paraît logique. Ah, on est bientôt quand même, hein. Tu vas rentrer. Tu vas manger, tu vas faire pipi, accessoirement. Ça ira mieux, fais pipi comme une championne, ok. Tu prendras une portion. Toi, Germaine, là, tu vas nettoyer ça. Elle est toujours en train de regarder la télé, celle-là. Franchement. Bon, allez, c'est bon, laisse tomber Dominique, là. Ah, bah c'est bon, on est au niveau 3 de la compétence malice. Donc, il ne nous reste plus que utiliser l'ordinateur. Bon, on fera ça tout à l'heure. Du coup, t'en es où là-dedans? 75%. Bah écoute, est-ce que tu peux faire autre chose? Une salade du jardin, peut-être? Ouais, mais il n'y a plus de place. Mais si l'autre Dudu, elle se maniait le cul aussi. Allez, dépêche-toi. Voilà, comme ça, on range ça. Ça, on met là. Et toi, tu reprends ta bouffe. Oh, c'est trop mignon, le petit lama. Oh mon dieu, mais ce rose. J'en peux plus. Alors, je suis désolée pour le bruit. Il y a mes chats dans les cartons. Il y a un Rudolf dans les cartons. Parce que je vais déménager. Voilà, c'est cool, ma vie. J'espère qu'elle s'est pas grattée l'oreille, tu sais, pour mettre dedans, là. Enfin, elle se gratte l'oreille et ensuite elle masse la salade comme ça. Il y a des Sims qui font ça et je trouve ça abominable. Enfin bon. Alors, toi, tu dois être amie. Avoir trois amis Sims. On va voir comment tu te sens déjà. Bah, tu te sens bien. On va voir s'il y a du monde dehors. Ah, il y a lui là. Monsieur, stop. Alors, présentation amicale, puisque nous, on va être potes avec tout le monde. Contrairement à notre meuf. Enfin, notre meuf. Notre amie de sexe. Oui, en plus, il y a sûrement des Sims qu'elle aura pas. Enfin, j'en sais rien en fait, ça. Ça va être compliqué tout ça. Hein. Ça va être très compliqué. Hop. Voilà, on va déjà se présenter à tout ce petit monde. Toi, tu lâches ta femme. Et tu vas nettoyer. Et ensuite, on verra pour faire. Donc, tu vas réclamer ce lit. Du coup, l'ordinateur. Est-ce qu'on peut faire plus de choix? Web. Surfer, parcourir des œuvres d'art. Je sais pas où est-ce qu'on fait des trucs malicieux. Discuter, on s'en fout. Peut-être troller les forums, je sais pas. Commander, s'entraîner à programmer, écrire, foyer, carrière, jouer, carrière, trouver un emploi, démissionner. Ok, bah je sais pas du tout. Je sais pas comment on fait des interactions malicieuses. Commander, acheter une poupée vaudou. Oh, ça c'est cool.
Oh, ça coûte cher. Oh, bah on peut, on a de l'argent. du coup, elle est où elle? Tu t'es présenté, c'est bon? Est-ce que tu peux aussi te présenter à elle? Ah bah tiens, il y a Dominique là. Présentation amicale. Présentation amicale. Voilà. Et elle, par contre, elle sort en pyjama dans la rue, mais pas l'autre. Ok, d'accord. Tout va bien. Hep, 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 les filles. Venez par ici. Ouh, elle est énervée, elle. Allez, plus vite! Ah, c'est réunion Tupperware devant les maisons. Ah, j'aime bien, elle en plus, elle est jolie. Je crois que c'est la fille de Dominique, d'ailleurs. Ouais, c'est ça, c'est sa fille. Elle lui ressemble totalement. Je pense que la maman a couché avec le facteur, hein. Enfin bon. du coup, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'elle va bien? Elle travaille quand? De 16h. Ok, donc elle doit travailler demain, je pense. Alors, on va creuser. On va récupérer des trucs. On va commencer à faire un petit jardin. Oui, mais je suis comme ça, moi, je suis au taquet. Hein. Récolter des produits, on peut pas. On va commencer à récolter des trucs. Comme ça, on les revend. On se fait un petit jardin. Tranquille. Ça, y a rien. Faut se faire un petit peu d'argent. Pourquoi elle est en colère? Conversation aggravante. Ok, donc quelqu'un l'a fait chier, la pauvre. Elle a rien demandé, elle est gentille. Sa meuf qui est méchante et non. Du coup, il y a quoi d'autre? Par ici, d'accord, il n'y a rien, c'est cool. Récolter les produits. Mais il n'y a rien. Il n'y a rien. Bon, là, il n'y a rien non plus. Là, des champignons. Non, en fait, les champignons, on s'en fout parce que ça rapporte rien, mais alors, rien du tout. Hop. Meuflier sauvage. Et ça. Il n'y a rien non plus. Mais et là, elle a déjà fait le tour ou quoi? Parce que... Il n'y a rien. Il n'y a rien. Ah, il y a une grenouille là. Voilà. Et ensuite, tu rentreras à la maison. Et toi, cocotte. Toi, tu es déjà en train de dormir. D'accord. Et elle fait une sieste. Elle dort même pas. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une petite douche. Et puis ensuite, oui, bah, tu iras te coucher. Hein. Il n'y a rien dans ton inventaire si y a la poupée vaudou. Donc on verra ce que t'en feras plus tard. Du coup. Ah, les vénères! Ah, c'est bon. Ça va mieux. Donc, extraire un fossile. Elle est où? Mais rentre chez toi! Voilà, donc elle est fatiguée. On va faire reproduire ces deux grenouilles. Je sais plus comment on fait. Faire se reproduire avec. Voilà. Ok, donc on va vendre. Si ça veut bien. On va vendre ça. On va vendre ça. Et tu vas aller me planter ça. Ça, on vend. Et ça, on vend. Allez, va planter. Zouzou. Ensuite, tu vas arroser. Puis, tu iras prendre ta douche. Faire un pissou et dormir. Elle a bien tout fait? Ouais, c'est bon. Ouh, à la fin aussi. Bah, mangera demain matin. Hein. C'est pas grave. Allez, c'est bon, t'es propre. Hop, et voilà, bon dodo. Du coup, quand vous vous réveillerez, tu iras manger quelque chose. Hop. Toi aussi, tu iras manger un petit truc. Oh my god, mais ce... Mais ce pyjama, c'est pas possible. Je pense que je vais la relooker à un moment donné, mais pas tout de suite. Je vais lui laisser encore un peu de temps dans cet accoutrement magnifique. Mon Dieu.
Donc c'est bon, elle fait sa vaisselle. Toi tu te lèves, Jacotte. Qu'est-ce que tu peux faire? Bah retourne troller peut-être. Donc ça discute, c'est cool, et ensuite vous ferez crac crac. Voilà. Je serais bien tentée de leur faire faire un enfant, mais je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu quand même qu'elles soient bien stables les deux. Enfin, je sais pas si je suis claire, mais bon. Qu'elles aient quand même un petit emploi ou quelque chose, enfin tout ça. Bref. Du coup, toi, tu vas aller, je sais pas. Bah, continue de troller. Et du coup, on va se laisser là, les enfants. J'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'oubliez pas que le troisième épisode sera sur la chaîne d'Elancia. Donc, allez-y. Et moi, je vous fais plein de bisous et salut!